Et qu'on a nous parle faire lecture, parole bon Dieu, c'est dans Luc 22, verset 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent de feu au milieu de la cour. Et ils saisirent, Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit s'assit devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il les nia, disent, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait et disant, certainement, cet homme-là était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné et regarda Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me régneras trois fois. Et étant sorti, il pleura et amer. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et bon Dieu béni, Jésus 100% la vie. Et nous espérons que nous pourrons passer un petit moment en méditation de la parole. Alors c'est dans Jean 20, versets 19 à 23. C'est là que nous pourrons faire lecture pour que nous soyons capables de méditer. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où s'est ouvert les disciples étant fermées, à cause de la crainte tant qu'il avait des Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples en furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés. Ils les seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils les seront retenus. Parole du Seigneur. Chers amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Alors, ce serviteur au frère Janvier, c'est qu'il est. C'est lui-même qui prend les méditer la parole de Dieu. Alors, nous connaissons lorsque, dans ce moment, ça a eu semaine que de sept, nous connaissons l'histoire que la Bible explique nous comment Jésus est arrivé arrêté. C'est des complots qui étaient faits avec les sacrificateurs, les scribes, eh bien, ils étaient fongeants pour qu'ils étaient capables de passer Jésus à l'infinitif.
Et Jésus, qui ça que Jésus te connaît faire, ce n'est pas au monde qui te jamais connaît faire rien qui mal. Mais seulement Jésus, c'était là pour être capable d'aider les gens qui sont en difficulté. Les gens qui sont malades, de guérir. Les gens qui ont grand goût, ils manger. Faire un pile de miracle parmi eux. Mais Jésus, pas de jamais te connaît faire rien qui mal devant eux. Et quand que yo te vin arrêter Jésus le premier jour de la semaine, Marie et Magdala te allé dans caveau côté Jésus te enterré. Eh bien, un matin très bonheur. Alors Jésus mourit. Et le vendredi saint elle mourit. Il fait 3 jours. Après, ce troisième jour, elle a ressuscité. Vendredi, samedi, dimanche. Eh bien, dimanche, elle était ressuscité. Eh bien, la Bible fait nous comprendre, le premier jour de la semaine, Marie Magdala, elle était rendue dans le sépulcre côté Jésus, était enterré. Elle dit que et lorsque il était allé dans ce pile là, les arrivés il était aux roches qui était barré cravoa, et bien roche là roulé. Et mais lorsque roche là roulé, mesdames il était retourné, il est rentré, il vient dire monsieur, Jésus-Christ ressuscité. Roche qui était barré cravoa, il joindre roulé. Et comme ça, il était joindre Yon ange vini, il courit, li wè yon lumière qui paraît. Pendant li mi apparaît là, eh bien, li paraît yon façon tant qu'on lumière, et tant qu'on comme si m'da diyo, li éclairé zon nan net tout de blanc. Voix dit, mesdames, yo, qui est-ce que vous cherchez là? Jésus-Christ ressuscité, le papa parmi moi encore. Eh bien, quand ça, mesdames, yo, courir à l'île, dit monsieur, ça, mais monsieur, pas de jambes, fin quoi? C'est ça, mesdames, yo, dit là. Eh bien, Pierre, avec l'autre disciple, yo, yo sorti pour yo aller, pour y aller, ouais. Est-ce que ça, mesdames, vous dites, est-ce que c'est vrai? Mais vous oubliez, lorsque Jésus t'a dit, l'El Taveyo, et petit bon Dieu après le livrer, mais après 3 jours, il prend le ressusciter. Mais vous oubliez ça, Jésus t'a dit. Mais vous êtes en doute, les mesdames, vous avez dit, Jésus ressuscité, vous pas de croire. Eh bien, Pierre et l'autre disciple te courir à regarder pour être capable de voir est-ce que ça mesdames yo dit est-ce que c'est vrai. Et ben les arrivé yo te ouais disciple apparaître. Pierre te courir aller venir dire oui. Et yo roche qui t'est barré cavoa ni roulé. Bonne marche croyer Noël à terre. Nous en 30 ans, nous parlons Jésus. Jésus ressuscité, vrai. Eh bien, Simon Pierre courit. L'aller. Il est entré dans ce pile-là. Oui, oui, oui. Il est tout bagaille ça. Il est entré. Eh bien, c'est laissé à Pierre, t'es venu croire. Mais Thomas lui-même n'est pas de jamais croire que Jésus ressuscité, vrai. Et lorsque monsieur était réuni, lorsque vous réuni, d'un côté que yo tapé faire service, mais à cause de peur que yo te peur, yo te obligé fermer porte là. Yo te peur pour jufio pas vinn sou yo. Et mais le moment porte là te fermé comme ça, c'est comme ça yo te gardé Jésus te paraître dans milieu côté yo te ya. Jésus dit comme ça, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela,
il les monta ses mains, les montrait aux mains, côté que il était cloué, côté où il était cloué, mais et bien le montrait, puis il était capable. Mais Thomas, c'est un homme, il est tellement son monde qui ne croit jamais, mais il ne croit jamais, vrai. Malgré Jésus vint, il ne croit pas c'est Jésus. Si là Jésus a montré au mel côté il était prend coup de clou yo grand clou était cloué mel il t'a montré au bord côté lui et bien c'est là ça et vient dire encore Jésus l'a dit de nouveau la paix soit avec vous et bien c'est là Jésus vient dire la paix soit avec vous et bien les ça les disciples étaient venus voir ça disciples étaient venus contents disciples étaient en joie parce que Jésus t'a dit yo il pral livrer, il pral mourir, mais après 3 jours, il pral ressusciter encore. Et bien, c'est là que les disciples étaient venus contents. Alors, c'est là que je montre que les disciples n'ont jamais cru que Jésus a parlé avec eux. Les t'a dit, même qu'il mourit, mais après 3 jours, il pral ressusciter. Mais c'est là que les disciples étaient venus en joie, qu'ils étaient venus contents. Ils étaient venus contents en pile parce que Jésus ressuscité. Eh bien, pas de porte qui était ouverte. Et c'est garder, et Jésus paraît dans le temps. Eh bien, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Puisque papa te voyait, eh bien, moi-même, moi voyais nous tous. Eh bien, après ça, au fin de temps des paroles, ça, Jésus soufflait sur yo. Les dieux recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'elle fit souffler sous disciples, les dieux recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, du moment où ils fin souffler sous Yoa, eh bien, c'est comme ça, les disciples, t'es commencé à recevoir Saint-Esprit dans la vie. Oui. Et il dit que ce qui a acquis. Vous pardonnez les péchés et ils seront pardonnés. Eh bien, moun qui pardonne péché ou moun qui pardonne ou et puis péché moun ça il pardonne. Ah oui, et ensuite lorsqu'elle t'est venu souffler sous disciple, il t'a donné ba yo Saint-Esprit a et ben là, c'est ça fait la parole de Dieu dit, l'acte premier, le verset 8, c'est ça que fait qu'on voit. La parole de Dieu dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la toute Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Oui, du moment que Jésus t'est venu souffler Saint-Esprit dans la vie disciple, eh bien, elle t'est baillé au pouvoir pour te aller dans tous côtés pour que tu es capable de représenter le Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité. Et pour ça, ça le dit. Il dit comme ça, après avoir dit, c'est lui, elle fit élever et prend qui le regardait. Et moment ça, lorsque nous avons gardé, lorsque le disciple est allé, lorsque le disciple est venu recevoir cet esprit, eh bien, c'est le Saint-Esprit ça qui est avec le disciple, capable de faire des travails, des miracles, capable de faire. Eh bien, matin, ou même, qui est dans l'époque ça, pas fait comme Thomas. Croyez que Jésus était mort une seule fois, mais il n'est pas mort encore. Il y a quelques religions, façon que vous faites, il faut toujours comprendre que Jésus était mort. Chaque époque, ça, vous comprenez que Jésus est mort. Laissez-moi dire, Jésus n'est pas mort encore. Jésus était mort une seule fois. Après ça, il est ressuscité. Eh bien, Jésus-Christ n'est pas mort encore. Jésus-Christ à droite, papal, l'aptan, les retours, l'aptan, l'église, allez. Après ça, il va retourner avec l'église, il va venir restaurer le royaume de Dieu.
avec nous. Et maintenant, nous sommes ça, bon Dieu dit nous, c'est quoi là, là, pas arrêter comme Thomas, pas quoi. Là, on croit dans la parole, bon Dieu. Eh bien, la parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, et toi, et ta famille. Eh bien, nous étions là avec vous. C'était serviteur qui t'a médité la parole de Dieu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.